À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Pourquoi des attentats ont-ils eu lieu à Paris? Le vendredi soir, les Français sortent avec leurs amis pour voir un match de foot, écouter un concert de musique ou boire un verre. Vendredi 13 novembre 2015, des terroristes ont choisi ce moment de détente pour attaquer 6 endroits très fréquentés de Paris. Le but de ces terroristes, semer la terreur et nous faire peur, en tuant, au hasard. Mais pourquoi la France est-elle une cible importante pour les terroristes? En ciblant Paris, la capitale, ces attentats très meurtriers ont frappé la France et tous les Français. Notre pays, qui combat le terrorisme dans le monde depuis 20 ans, a une nouvelle fois été visé. Depuis septembre 2014, la France, ainsi que d'autres pays regroupés en coalition, est en guerre contre le groupe terroriste État islamique, appelé aussi Daesh. Le territoire occupé par Daesh se situe à cheval sur la Syrie et l'Irak. Il abrite des terroristes qui organisent des attentats partout dans le monde. La France a été visée, car notre pays est une démocratie qui défend les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre pays défend aussi le principe de laïcité, en respectant la vie et les idées de chacun. Nos valeurs et notre mode de vie représentent tout ce que détestent les terroristes, et c'est pour cela qu'ils s'en prennent à nous. Mais c'est justement grâce à nos valeurs et à notre mode de vie que nous nous sentons forts pour traverser cette épreuve. Et que le peuple français a choisi de rester uni pour dire non à la barbarie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.